Ce vendredi 4 novembre, TF1 diffusait en direct la demi-finale de Danse avec les Stars, qui mettait aux prises les quatre personnalités restantes, Carla Lazari, Thomas Dacosta, Stéphane Légard et Billy Crawford. Ce dernier, pourtant bien plus vieux que les trois autres, il a 40 ans, alors que la chanteuse a 17 ans et les deux autres hommes, 24 ans, est blessé au dos, a une nouvelle fois impressionné par un passo doble endiablé et une rumba sensuelle. Mais si est-il dans l'afté qu'il s'est laissé aller à quelques confessions, en effet, alors que ses camarades faisaient remarquer qu'il parle très bien français alors qu'il vit aux Philippines, son pays d'origine où il est devenu présentateur de télévision, Camille Combal a alors lancé un magnéto où on l'entend surtout dire. Pas mal de gros mots. Il faut dire que depuis le début de l'émission, celui-ci semble avoir appris de nombreuses expressions françaises, un point qui a étonné ses camarades, mais qui lui a appris ce genre de choses? Alors que certains pariaient sur Fovoto, sa danseuse, ou sur M. Pokora, présent à ce moment-là et qu'il connaît bien, il a fait une toute autre révélation. « Mon professeur, si est-il Ori, a-t-il lancé pendant la vidéo de son entraînement, entraînant les rires des autres et de nombreux montages de la production. » Légèrement embarrassé, mais lui aussi hilare, Billy Crawford a alors regretté quelque peu, « La pauvre, a-t-il rigolé ?»